Mesdames et messieurs, bon bonjour et bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur TV La Caille. Jeudi, c'est samedi 27 mars 2021. Nous comptons entrer la caille chaque grand abonné nous, chaque grand fanatique nous, chaque grand supporter canal ça. Merci parce que ou toujours restez connecté sur TV La Caille ou toujours là. Tant qu'il est, eh bien, n'a porté information pour que nous-mêmes nous là tout, n'a cherché, n'a bousqué information pour nous porter, n'a déclamé en dans la caille où sont pas même besoin de faire aucun effort. Eh bien, TV La Caille est responsable dossier ça, donc c'est devoir, nous sommes mission, nous baille tête, nous c'est pour informer le peuple haïtien. N'a profité de remercier généralement tout le monde qui est abonné avec le canal là, tout le monde qui toujours été sur nous, n'a dit merci parce que ou était fidèle, ou était confiant de TV La Caille comme canal qui est là pour informer vous. Merci tout le monde. Je dis à la, donc, nous portons une information pour vous concernant, eh bien, groupe monde qui a même planifié coup d'État pour le président Jovenel Moïse, en date 7 février 2021, qui se passe à la, eh bien, côté te gen en pile, l'obé qui te pété, dans l'occasion ça, et gen en pile arrestation, tout te fait, eh bien, il y a là, groupe monde ça a une libération, groupe monde ça a une libération, côté te gen Marie-Louise Gauthier, et divers autres monde encore. Et donc, qui ont même été arrêtés dans l'occasion ça, comme quoi, ils ont fait un coup d'État contre le président Jovenel Moïse. Et côté Marie-Louise Gauthier, lui-même, a planifié tout détail ça, ensemble avec chef sécurité par la nationale, là, Dimitri Era. Et bien, finalement, Mounzao joue une libération. Mounzao, donc, ils ont libéré, et c'est avec un pile fierté pour eux, ils ont sorti en dedans. Et donc, et prison. Nous allons inviter au détail, nous allons inviter au suivre avec nous, comment ça a été, et qui déclaration tout. Mais Antoine Maisonneuve, qui sont avocats tête chargée, qui lui-même fait ben, des gros déclarations dans l'occasion. Nous allons inviter au détail, nous allons inviter au temps de tout qui message, et bien, et groupe Mounzao même voyé, l'État haïtien en soit fait arrestation ça illégale, en arrestation illégale selon ça, il dit. Donc, nous allons faire autant de pas oublier, continuez à abonner avec le canal, guys. Nous allons tous une bonne journée, enjoy, nous allons tourner très bientôt pour une prochaine vidéo. Prisonnier politique ça très bien et que pour ne pas ta historique ça et font y parler et qui pas pour attendre nous pas capable de font y parler et pas au font y parler pour qu'à expliquer dans quel contexte que Jovenel Moïse t'a essayé méchamment la sous doyo question tentative de coup d'État. Et quand nous dit bien, nous pensons que obligatoire, pour nous commencer par remercier tout le monde à la Honde Bader qui t'a accompagné dans le cadre de la procédure, sa bataille, sa menée pour te joindre libération Mounsaï. Bon, moi-même, je pense que c'est une grande victoire pour nous toutes et particulièrement avocats et familles. Et je pense que dans le contexte, ça, pas tellement de gros bagages pour nous dire. Mais de fait, nous-mêmes journalistes, nous, même Mounio là, même Claude Vuilla là, même Rubito là, et autres, dans quelques minutes là, nous allons nous rapidement du côté de Tirien pour nous calader prisonniers politiques, mesdames, familles. Dans combien de temps il y a maintenant? Il y a approximativement 13 qui sortent là, 13 qui sortent là, pour nous là. Et la prison, c'est. Il y a un qui va sortir? Oui, il y a un c'est 12. 12 qui là. Dérange-moi de commencer. Le problème, c'est que non.
tu as un petit problème, tu as décelé non dans le procès verbal comme ça. Mais rapidement, nous allons faire 5 démarches. Nous pouvons garantir que nous avons une libération, une graine sacrée en dedans. Nous n'avons pas besoin de battre Paul, nous n'avons pas besoin d'inquiéter dans les procédures qu'on a. Nous jeunes, mais il ne faut pas oublier. C'est bataille 86 là qui a la guerre. Donc, je vous remercie encore pour une dernière fois les journalistes, les avocats. C'est Yot Kafem qui a pu en parler là. Parce que la prison n'est pas facile. Le 25, si je ne me trompe pas, jour de crasé. Ayo, vous avez un gros problème. Je vais craser prison, je vais mourir. Les gens viennent chercher nous pour aller servir des cobayes. On parle de qui est-ce? Maponeo. C'est des prisonniers, c'est des gens. Vous comprenez? Donc, monsieur, merci beaucoup. T'as dit, on va gagner. Oui, moi, je remercie particulièrement les journalistes. Et particulièrement les gens qui ont parlé et ma vie d'Aden. Et moi, je remercie Maître André Michel. Tout corps d'avocat qui vraiment mettait pas de caillot pour aider. Vieux amis, j'avais Chaldou qui aidait correctement. Moi, on donne la santé que tout le innocent, pas vraiment. Oui, c'est vrai. On est innocent. Et ça me t'a dit encore. Je souhaite son leçon qui baille là. Son leçon qui baille là. Et moi, merci le juge. Moi, merci le juge tout. Et là, on fait effort, en pile, nous, là, qui a mangé pigeon. Et puis, on fait effort, il n'y a pas mangé pigeon. Ok, d'accord, merci. D'accord. Nous, jeunes, mais faut pas. Vous montez les gens. On va aller, on va aller. On va aller. La presse, avocats, la presse, et voix humaines, tout le monde a fait un bon travail. Expérience extrêmement difficile. Et très difficile. Et ça fait comprendre une réalité. En pile, réforme mérite faite dans plusieurs mois. En pile. Comment est-ce que tu m'as dit? Je ne suis pas de suivi mauvais. Le 25 février, pour monter le centre, relais, ça va faire des évasion faite. Ah, pas mal de bagages. Vous comprenez? Et c'est le moment où, comme compagnon de ces jeunes, que je suis ma vie. Je me suis parlé de Anel Benzer. Maintenant, on va évoquer son juge là pour qu'on relève depuis tout ça. Parce que là, moi, j'ai pris son. Et je me suis fait connaissance de Chariot Casimir, son aide merveilleux. Et monsieur, c'est un inspecteur divisionnaire qui servit plus de trois gouvernements comme et sécurité. Et dans le service, lui, honorable, même très honorable. Mais qu'on y a lui trouvé à manger prison pour un truc de valeur. Ça n'a pas de préfet. Parce que son cas important que vous avez adapté. Et parmi les tout, j'ai moué à Bilango que tout le monde a plongé de sous lui. Qui va même gonder Bakadé? Qui va même gonder Bakadé? Il a accusé lui, il va même gagner manifeste. Donc nous avons demandé pour tout le monde de penser à nous. Ok, merci. Et à qui sentiment sont-ils aujourd'hui? Satisfaction. Et je remercie d'abord les avocats. Ensuite, excusez-moi, journaliste. Merci beaucoup. Journaliste. Je vous remercie spécialement, petit garçon, dernier garçon, pour faire honneur. En 86, je suis retourné en Haïti
nous créer avec Daniel Narcisse et le comité de liaison des forces démocratiques. C'est le fondateur principal, groupe 57, lutter en pile. Nous ne jamais arrêter. Nous participer dans diverses manifestations. Nous ne jamais faire violence dans rien, même lutter. Pour la démocratie, je crois en la démocratie. Mais je ne suis pas bon, je vais venir arrêter pour le complot contre la cité de l'État. Ça veut dire quoi? Complot contre la cité de l'État. Coup d'État. Coup d'État, nous comptons s'allier. Coup d'État pour qu'il y ait le fait. Pas qu'à 2h49, je vais arrêter en pyjama. C'est un moment de libération. Pardon, t'es dans la prison plus qu'un mois. Très dur, mais ça a été une épreuve. Une épreuve parce que une expérience aussi. Parce qu'on connaît plus ou moins la réalité de la prison aussi. On la connaissait, mais de loin. Maintenant, on l'a vécu. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de revendications. Moi, le plus fort qu'on y a. En plus, mon mère n'a jamais été où. Mon mère a toujours été où. Connexion de sa maman, mon mère, toujours. Oui, c'est mon frère qui me prend. Docteur Mario, tu as voilà. Kiskeya, qui sont tout le monde. C'est vraiment oui. Kiskeya, c'est le sentiment, oui, c'est que son libération. Et vraiment, tu attendais, mon frère, docteur Jean-Yves, le docteur Palé, le dit dans mon père, qui a dit qu'après la vie, le plus grand bien, c'est la liberté. Vraiment, je l'ai expérimenté. La liberté, c'est le plus grand bien après la vie. Ça, c'est la vie. Mais je pense que avec la vie, beaucoup à dire. Peut-être que dans un. Non. Et nous, l'autre rendez-vous, on a parlé plus largement de tout ce qui devrait se faire, qui n'est pas fait. De tout, à propos des prisonniers, tout, la vie des prisonniers. Expérience en commenté, ou qui a accouché au gars, vous parlez de ça. Oui, moi, je fais toujours mon devoir, comme on dit. Je l'ai hérité de ma mère. Vous voyez, c'est mon frère qui est là. Nous avons hérité ça de notre mère. Nous pas faire de vitesse. Nous pas faire médecine de vitesse. Notre expérience est cependant, comment est-ce que notre prisonnier en dedans? Non, vous te parlez sur ça. Mais vous avez un métier. Il y a tout qui se fait. Moi, j'ai accouché. Moi, j'ai accouché. Non, t'allez. Allez, dans prison. Pour nous, on a mis un bagage. Pour nous, tout le monde a ma foyer. Nous avons fait une prison. Pour nous vraiment dire tout le monde merci, surtout les avocats, pour disponibilité, pour compétence, pour courage, tout le monde qui est présent dans une force, pour tous les médias, tout le monde qui est collaboré avec nous. Ou bien plus qu'on moi dans prison, mais maman, nous chaque terre cassée dans ces villes. Voilà. D'abord, même pas Dieu pour être après moi.